Good evening. This is Dr. Benoit for Health Talk. Salut, c'est Dr. Benoit pour Health Talk. Soyez la bienvenue pour une émission, l'émission de prédilection, l'émission de la communauté. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Good evening. Welcome to the program. Sorry for being late, as usual. As you know that, you know, I'm always busy at the office. So, last minute patient, so... I was trying to get the patient to be done. Anyway, good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, everybody. Je dis bonsoir à tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et que ce show sert de boussole pour la communauté. Et que ce show fait son devoir. Et que ce programme fasse son devoir. Excuse-moi. Que ce programme. Que cette émission fasse son devoir. Afin d'éduquer la communauté, bel et bien. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle que ce programme a été conçu. Juste pour vous. Donc, comme tous les soirs, je prends plaisir d'être ici avec vous. Car je tiens, c'est mon devoir. C'est mon devoir de contribuer à l'humanité. C'est mon devoir de contribuer... à l'émancipation de l'homme. Donc, je m'en sers de cette émission d'accomplir ce devoir. Donc, je dis merci à tous les supporters. Et je dois spécialement dire bonsoir à un médecin, docteur Kerning Jean-Jérôme. Doc, thank you for coming in. I see you usually come in on a regular basis, and I really appreciate it. So I always ask the doctors if they want to make a point, please feel free, because this is also your podium. Donc vraiment, je prends plaisir d'être ici. Bon, je dis bonsoir à tout le monde comme auparavant. Donc ce soir, nous allons avoir un autre programme aussi chaleureux que les autres. Donc, dit tout le monde, bonsoir encore. C'est avec un grand plaisir que nous l'avons avec nous, que pour nous débattre et enseigner le sujet. Et à ce moment-là, nous parlons de débattre là, très bien. À chaque fois comme là, demandez-nous pour nous faire de voix, non? Pour nous vraiment, et partager les. Thank you very much for the compliment, Sheila. Thank you. You like my shirt. Thanks a lot. Thank you very much. So, m'bal dérapé là. So, et au fur et à mesure, là, on y a, apprend pas, mais m'dit tout le monde qui là, qui branché là, moi dis non, partagez Shoah avec Zamino. Et c'est ce genre que, pour nous, car, really, éduquer communautaire. Et c'est sur les gens que pour nous essayer by communauté en tigeant beaucoup plus et beaucoup plus éducation, parce que vraiment éducation est important, parce que sans éducation communauté n'a pas rien. Donc c'est pour ça que chose a fait, c'est pour ça que m'ai fait choix, et moi continuer à remercier tout le monde
qui jugeait bon, qui voyait que le choix est important, que la font travail, que la font travail sérieux. Bon. Nous avons deux sujets dont nous avons parlé avant de nous brancher le même topic là. À ce moment-là, sous fait brancher là, nous allons regarder l'effet psychologique qu'a Timon les que yo gagné parents yo cap divorcé ou du moins si parents yo déjà divorcé. Donc ce soir, nous avons le programme de ce soir est le suivant. Nous allons aborder les effets psychologiques chez les enfants avec des parents qui sont en train de se divorcer ou du moins des parents qui sont déjà divorcés. Donc, nous allons regarder que qui est fait psychologique que, en termes de adaptation psychologique qui fait de la catimonie. Il pas petit monde, même on adolescent ou hein. Et nous regarder toutes les toutes excuse-moi. Nous va regarder toute stratification de la personne de pendant le timon jusqu'à gamon. Donc à ce vraiment nous va regarder et qui en ça fait. OK? Donc comme je dis auparavant, m'a fait devoir là avec nous, mais nous-mêmes devoir nous. C'est pour nous really l'aime là avec nous, nous supposons partager choix avec l'autre monde. Pour tout le monde qui apprend, pour tout le monde qui a excuse-moi, tout le monde qui a imbu tout dans ces deux bagailles. Bon, nous connaissons que, premièrement, nous connaissons que Cyclone fait dépasser, il passait dans les Caraïbes, il passait en Floride. Et selon ça qui rapportait que et Cuba prend belle il prend crasé en pile à partir de cyclone là. Saint-Martin, Barbuda, Saint-Croix, Magellan, toute île Saint-Rope frappé en pile. Ils ont eu rapporté il y a 26 morts dans les Caraïbes. Tandis que aux États-Unis, jusqu'à présent, il y a 5 morts. Mais bah, ça me besoin de parler là, non? Ça que je parler là, je besoin de féliciter les médias américains hein, qui engagent, qui prennent responsabilité. Tenez bien, média prend responsabilité li, pour li préserver la vie humaine. Ça, c'est important à dire là. Média prend responsabilité li, pour li préserver la vie humaine. Il n'y a pas de care de question de Belkaï. Il n'y a pas de care sur des châteaux. Il n'y a pas de care sur des gros bateaux. Mais média devait assurer li, que pas trop de monde qui mourit. Et apparemment, monde qui mourit, c'est à partir de tête qui fait mourir parce que vous t'ai dit pour yo évacuer. Et c'est là que vraiment nous ka féliciter aux médias qui font travail. C'est comme ça que aux médias travaillent. Ouais, médias et monsieur et mesdames, yo risquent vie pour yo engager nous. Non, pas ça, cyclone ça. Puis, on dit nous, qui côté cyclone n'en y est. Puis, on assurer nous, puis on dit nous que Piga, vraiment, à tel côté. So, médias américains, ça, vraiment, chapeau bas. Et m'espérer que, médias la caille, nous, haïtiens, prennent ça comme exemple pour les grandes catastrophes la caille, nous,
pour médias engagés en même propre leur péril pour apporter information à nous. Et médias ça et dans tout le monde yo fait du bon travail mais gagnons un broadcaster que m'apprécie monsieur parce que monsieur entré dans nom nous l'entré dans nom moi et m'espérer que monsieur entré dans nom nous tout monsieur relé Chris Cuomo c'est petit ancien gouverneur Cuomo qui passait parce que là monsieur a parlé avant monsieur vraiment faut sentir la gravité du problème monsieur montre que l'important que pour pas prendre ça pour prendre ça au sérieux. OK, tout le monde fait bagarre, même trouver que monsieur tonation monsieur vraiment t'es convaincu. Monsieur faut vivre le moment, il faut vivre le moment, un moment qui va passer, qui va causer des dégâts. Comprenez? So vraiment média font travail colossal et c'est comme ça que me pensais que et me guéchant que je suppose bah monsieur along of all other broadcasters mais même me trouvais que monsieur était entré ensemble. OK, c'est un bail qui personnel. OK, me trouvais que monsieur vraiment il touch me so guéchant monsieur il deserve an award. Chris Cuomo did a fantastic job by disseminating the path of the hurricane to ensure that everybody's safe, to make sure that America is aware what's going on, and that, I think that's the way a media can be best served in a country, and I think that my fellow Haitian newscaster should take this as a template, as a lesson, as a model. That's the way a media is best served. If it were not for the media, and if it were not for the engagement of all the authorities, mayors, governors, if it were not for the engagement of everybody, more lives would have been lost. Ouais, nous, tout le monde entré en jeu. Magistrat, gouverneur, délégué, et tout le monde mettait main dans la pâte pour assurer la sécurité de la population. Mais c'est comme ça, m'espérer que gouvernement haïtien a gardé qui en sa fête. M'a dit, gouvernement pas fait ça non, même dit que prend ça comme modèle. Parce que Haïti a toujours gagné catastrophe tout, parce que nous sommes pays tropical, nous fait face avec un pile hurricane. Journée jodia, c'est pas un seul hurricane qui a gagné plusieurs hurricanes. Média, nous même prend le son, mais c'est comme ça média fait. Yo pas acheté média. OK, média là pour servir population. Nous voyons que média américain vraiment média américain dans époque ça, yo fait de voyo. Si aujourd'hui a pas gain pile monde qui mouri, c'est à cause que média engagé, il y assuré lui que il est assuré lui que non seulement que mais il assuré lui que non seulement que bien assuré non seulement que yo même engagé yo risque vie yo monsieur risque vie yo nous vent cap souffler à 180 000 à l'heure nèg yo camper yo dit mon yo pas saute de yo dit mon yo fais attention avec objet et comme si là et garbage can cocoyer tout bagage qui était à deux yo qui était qui venir en sorte de et on zam qui t'a causé dégâts yo même yo campé dehors a yo risqué leur vie puis yo supporter puis yo vraiment faire de voyo vraiment Chris Cuomo, you deserve an award, you did a fantastic job
along with the other broadcaster, but Chris Cuomo really touched my heart. It touched really my heart, and it really reinforces the gravity of the problem. And even this morning, when I watching CNN, whatever you were saying came true, because it is now the aftermath of the hurricane to see how much disaster, how much chaos this hurricane has caused. Miami is now a city in the dark, right? And it's really hot. There's no air conditioning. There's no electricity. And this is all. And you talk about all those things, okay? So m'inspirer que médias haïtiens apprennent le son. Bon. Deuxième point. Nous connaissons que tout le monde est voulu retirer, on prend tout le monde au travail pour retirer. OK? Et nous connaissons que et gon le pour by quoi repos. Mais en pile haïtien, il aurait mis travail. Il aurait mis gros canet banque. Il aurait mis à l'Haïti. Il aurait mis bâti en Haïti. Il aurait mis fait belle à tête, yo. Mais il n'y a pas jamais docteur. OK? En pile en eux. En pile en yo, au lieu, yo vin ka docteur, yo peut-être faire overtime. OK? Et haïtien lui-même, depuis qu'il mange, li baigne, la la toilette, li poupou, li pipi, li en santé. OK? C'est haïtien ça. Li pap jam fait examen de prévention. Si son femme, li pap fait mammogramme. Li dit que même gon moun ki fait mammogramme n'est pas bon. Li pap jam fait colonoscopie parce que colonoscopie elle dit que gon moun ki fait li pas bon. Li pap tu font pap smear, li pap font rien. Garçon yo c'est pire. Garçon yo même vous dites que vous allez au docteur. Et en pile haïtien qui vient arriver retired, vous pas même fait un an, vous pas même fait deux ans, vous mourir. OK. En pile haïtien, vous fait vous retired à 65 ans. Après un an, deux ans, vous mourir. Le pourquoi, c'est parce que yo pas jamais fait aucun de prévention la caillou. Yo pas prend médicament. Yo pas sur le docteur. Ou du moins si yo sur le docteur, parce que pas chien ici a commencé sur le docteur, c'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est l'héritage qui gagne temps. Laisse ça pour le docteur chaque jour. OK? N'importe qui va aller gagner, il court le docteur parce qu'il peut mourir là ça. Mais si on dit que vous supposez faire une colonoscopie à 50 ans, et puis vous n'avez jamais fait une colonoscopie, et puis vous gagnez une petite tumeur qui a développé dans l'intestin, de 50 ans à 15 ans, il vient un cancer. Laisse ça, le temps pour enjoy your Medicare, comme Medicare là, bah là, ou le monde qui joue libre. So, en pile haïtien, qu'on est que retraite tout commencé depuis qu'on sort travail lundi ou commencer à penser de retraite tout depuis qu'on sort travail. C'est comme ça que éducation pays fait pas vrai que depuis qu'on sort travail on met des cobs dans retirement tout. OK, parce que son préparation liée. Son préparation financière, mais son préparation aussi bien physique. Ou pas qu'à vouloir ou préparer ou mettre quoi la banque pour retirement tout et puis bagay qui plus important santé ou pas tel. So en pile haïtien, je vous dis à la ma parole avec haïtien mieux. Nous même regarder monde là. Si nous gagnons maman nous bien papa nous, qui travaille chaque matin levé et puis
Et puis, après autobus, après train, pour le travail, pour passer ma carte docteur, make sure que le docteur. Parce que immédiatement, ouais, maintenant, en fin de retard, vous tenez, bam, problème. Et problème tombé, vous tenez que le malade, il fait cancer, il fait tension, il fait sucre, et puis, après 2, 3 ans, et puis, maintenant, t'as gagné belle Kylie, maintenant, t'as gagné et belle Kylie en Haïti. En pile patient, en pile monde connaît que, en pile là, et monde entendait qui dit comme ça que, ah, madame, t'es très bien là, madame, t'as fini l'état là, puis madame, t'as mouru. Mais parce que madame n'a pas fait de voile, madame n'a pas de docteur. Ok? Parce que quoi, son machine là, il gagne malaise sur lui. Et les machines qui m'allaient sur lui, faut que vraiment ou graisser moteur machine ça régulièrement. Et j'ai graissé lui, c'est un cas docteur. Ouais, aux machines. On court aux machines pendant chaque 10 000, il y a toujours comme ça que machine a besoin de service. Faut changer l'huile, faut faire tune-up, faut changer le caoutchouc. C'est même genre avec le corps humain, c'est même genre avec une machine liée. Yeah. So, chaque 10 ans, il m'a dit tout à sur la phase de la vie. Où. So, fois qu'un docteur pour docteur font une op pour, puis ouais, ça gagne. Donc, m'espérer que cette conception que nous attendons pour nous retraiter, pour nous docteur, nous attendons pour nous traiter, pour nous jouer la vie, non, m'espérer que vraiment nous supposer et suspendre ça, parce que vraiment, les consacres les totales. Bon. Encore une fois de plus, on dit tout le monde bonsoir. On dit tout le monde bienvenue. Ce chose-là, moi des noms pour nous partager le choix avec tout le monde. Bon. À soi, on va parler de effet psychologique chez l'enfant. Et puis, chez l'adolescent, nos parents qui ont divorcé, ou bien nos parents qui viennent divorcer. Maintenant, le divorce, vraiment, selon études qui fait, ils ont montré que plus de 50% de mariages finissent par un divorce. Et le plus souvent que, car il y a plusieurs causes de divorce là, pour divorce là. Il y a à partir de la femme, il y a aussi à partir de l'homme. On n'a pas un aller de l'homme. Premièrement, si nèg la pas prend responsabilité lui, envers sa famille, après un divorce. Si les gars pas apporté le pain à la maison, si les gars pas un gros travailleur pour assurer l'éducation petite lit, définitivement, fille a pas prêt à avoir. Ok. Si les gars sont on est qui aime boire, alcool, les gars aiment hasard, vraiment, pas prêt à avoir. Si son nèg qui n'a rien mais vagabondage, gagne plusieurs femmes, et puis, gagne plusieurs femmes, et puis, pas gagne cob dans le cas là, nèg a chita p'tit qu'elle femme d'ailleurs, et puis, pas pour des cob dans le cas là pour femme aimée, autant qu'on est que, définitivement, Maïssa, il n'est pas prêté. Si femme n'a pas bail affection, si nèg a pas bail affection, si on est qui affectueux, pour assurer que madame li, petite li, toujours bien encadrée, bien émancipée, ça a porté un divorce quand même. Ok? Si que nèg la boutal, nèg la son nèg qui remet abuser madame li verbalement, Bafi a dit, Bifi a gros bêtises,
même entre les murs, ou du moins hors des murs, même en société, autant qu'on est que, ça prend des divorces. Et si que, ou son équipe mais abuser madame physiquement, définitivement, ça portait divorce. Si qu'on abuse Timounio physiquement et même verbalement, ça portait divorce. OK? Et si que parfois tout, belle-mère, en dedans, là, nous connaissons belle-mère parfois, yo vermine, surtout, dans beau garçon, hein, mais beau femme dans tout. Belle-mère toujours vermine. Si belle-mère commence à monter tête, petite là, petite garçon, vers madame ni, ça porte divorce. Si que famille a entré dans a entré dans problème ou gagné avec madame ou lui t'a mis la paix à madame, définitivement, ça porte divorce. Donc, toutes ces bagailles, ça y est, ces bagailles qui vraiment, qui prédisposaient à la rupture d'une union entre un homme et une femme. Yeah. Et si que, ou un mari qui est libéral, un mari qui n'est pas soucieux, un mari qui, vous voyez ça, on graine pour mener. On n'est qui pas engagé pour assurer sécurité familiale, hein? Ça pour le divorce. Et si que vous traitez madame comme à rien, ou pas valoriser madame, pas madame valeur, ou pas choyer lui. Ou pas dire belle, ou pas dire jolie, ou pas dire ou attrayant, ça pour les divorces. Si que, ou jaloux à l'extrême, si que jaloux à l'extrême, et même violence interposée dans la jalousie là, définitivement, ça apporte divorce. Parce que la jalousie nuit. Trop de jalousie nuit. OK? Donc, l'homme, bien sûr, de toute bagaille, la Kali, qui a fait que, vraiment, les femmes n'ont demandé pour le divorcer. On regarde les femmes dans lui-même. Femmes dans lui-même. Fondé lui-même, premièrement. Bagay qui est plus important qu'à une femme, c'est d'être affectueuse. Parce que la définition d'une femme, vraiment, est synonyme avec la tendresse. Parce que toute femme qui dit que les femmes, elle doit être affectueuse, tendre, soupe et puis caressante. C'est une femme qui a fait manger matin, midi, soir, bon aigle, mais ils se sont bourrigouillés, pas en qui j'en pour dorloter marié ou pas perdre nèg là. Perdre nèg là. Ce qui veut dire que la femme, premier bagaille, une femme pour se gagner, c'est. Faut gagner affection la caillou. Il y a des femmes qui ne sont pas affectueuses. OK? Il y a des femmes qui assurent que vous faites le voyau seulement. Le voyau, c'est laver, passer, bailler manger. OK? C'est si vous avez un garçon, ou pas mal affection, ou pas caresser, ou pas mal. Ou pas mal, ou pas mal, ou pas mal, en pile love.
en pile love, même si vous qu'on fait manger, même si vous qu'on lave, même si vous lavez, car son monsieur a droit de mais on a perdu monsieur. Ce garçon, c'est petit bébé nous yé. C'est petit imbécile nous yé. Depuis qu'il nous dit nous chéri, I love you, nous croyons c'est vrai. Tout garçon remet pour chuchoter. Yes! Et femme qui connaît qui j'en plus un garçon, il dit qu'on ça pour le deal, pour qu'elle fasse le chita côté lié. Ok? Donc, ça est important. Now, mais des femmes, c'est yo et Léo, pensionnaire, c'est ni touche. Des femmes qui pas laver, qui pas passer, qui pas faire un yep, même manger pas faire pour le garçon. Parce que ils ont toujours bien fait. Ils ont toujours au studio. Ils ont pas rien temps. Parce que ils ont pas très garçon. Et ça vous dit parfois. Donc, quand les femmes ça y est, ils ont toujours été pour autre. Pas un garçon qui a prêté une femme qui partait qu'elle. So, ça peut être divorce. Ça peut être divorce. So, so, facteur qui prédominant pour femme, pour femme vraiment affectueuse. La femme affectueuse, quand même, même si que lui pas aimé faire manger, lui pas aimé et passer, mais affection couvre tout bagage ça. Et puis parfois, si l'homme aime sa femme, l'homme tolère sa femme. Il tolère sa femme. On dit chérie, ça va mon. Mais là que femme nan brutal. Femme nan son goujalier. Son femme kap dou bêtise nan mitan moun. Son femme kap frapo nan mitan moun. Et puis femme nan pa konn fè manje, li pa pase, li pa lave, tout konnen nèg sa la koui. La koui. Now. C'est que c'est rarissime que une femme li pa gen instinct maternel. Et 90% des femmes ont l'instinct maternel. C'est-à-dire que les femmes sont soucieuses de leur progéniture. Les femmes assurent la majeure partie du temps. Les femmes assurent le bien-être de leurs enfants. Ça, c'est sûr. Ok? Mais il y a des femmes qui n'ont pas care. Il y a des femmes qui n'ont pas care. Il y a des femmes qui n'ont pas care. C'est papa qui prend le rôle, ni maman ni papa. Excusez-moi. Yeah. Il y a des femmes qui ont été mal. Ok? Yo pas vraiment et qu'est-ce que ça? Now, donc si on fait un bagage c'est sur pas qu'est de petit tout définitivement les après divorce. Si on fait un vagabond, une femme qui putain tout bon. Les femmes qui pas care sur les maris dans caille, c'est collecter à collecter. Yo pas care, c'est collecter depuis on joue dans la bam. Surtout si femme joue dans les excuse-moi. Si que femme putain en pile, des femmes qui putain, des femmes qui putain parce que Mario pas bayo ça a besoin, il y a l'air dehors. Si Mario pas contre fait ça bien, je n'en ai que là,
Yo, sa nega sa, yo joun baye kaka neg la. E pi, yo ale a neg la. So, on fam ki charnel, sa son fam vreman ou konen ke li pap ge mari. Nek ay, pa nek a se tete on fam kap ki de yo an pil. So, tout sa yo, kap pote divos. On fam ki vulgaire tout. Vulgaire. Une femme qui aime dire bêtises. Ça, son femme, vraiment, qui va bien marier. Marie a quitté elle. Donc, il y a une condition que garçon a gagné. Il y a une condition que fille a gagné. Qui a porté eux, puis a séparé. Puis séparé. Et de ce fait que, les que séparation vini, rivé, séparation est dure pour les enfants. So, moi, ben, non, toute raison qui a causé deux mondes divorcés. OK? Now. Mais, dans tous les deux, ni garçon ni femme, raison économique comme facteur primordial. Raison économique comme parle primordial. Si pa gen lan moun ki kebe on mesye a madame, debi gen problem ekonomik, relasyon gate. Si ke neg ap travesse ou moun ki dur, neg gate nan bon job, neg ap pedi job li, ou nan neg arete nan kay la, neg ap ka travay, si pa an fom ki gen an pil komprehansyon, an fom ki reme neg li, il connaît les gars, c'est un good provider, les gars, pas qu'à bailler, là, le plus souvent que ça qu'on bail en pile problème. Son raison économique, son raison vraiment, 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 qui majeure dans divorce. Deuxième, c'est infidélité. Okay? Jalousie, ou du moins infidélité. Troisième, c'est incompatibilité de caractère. Hein? Il y a trois gomos soyo. Trois gomos soyo. Dans tous les. Trois gomos soyo. Ni pour garçon, ni pour femme. Premièrement, raison financière. Si une crise financière qui est passée dans la relation, si on n'a pas qu'à manger, si on n'a pas qu'à aller à l'école, si on n'a pas qu'à acheter tennis. Ça pote friction. Ça pote friction. OK? Now, infidélité, ça son gros morceau aussi, qui causait un pile monde divorcé. OK? Et li vrai, ni pour garçon, hein, ni pour femme. OK? Et finalement, incompatible de caractère, les deux mondes, même, yo pas compatible. Et des bougons moun ou pas compatible à lui-même moun nan zèle moun nan moun lè moun lè moun nan nan l'est ou nan ouest lè moun nan nan sud ou nan nord autant qu'on est que c'est des moun qui va prêter bon tout le fait que manon nan nan raison qui fait de moun divorcé donc ah ouais moi fait chronologie de divorce là pour nous manon causalité de divorce là. Et puis, quand il y a là, nous parlons de que les troubles psychiques qui causaient les deux mondes à divorcer ou les deux mondes fin divorcés. Je veux toujours dire que c'est deux mondes qui le vont, Timoun. Et les Timoun ont grandi, non, caille, ni ouais, maman n'a pas parlé. Ça, c'est ça qu'on est, li qu'on est unité sociale. Ça, c'est la famille. C'est le père et la mère. Dès que yon pa la, vin genyen une sorte d'imbalance psychologique la ka ti moun nan, et le fait que ti moun nan senti que li pa la. Le
Dans un foyer, un père a un rôle primordial. Le père a un rôle de leadership. Le père a un rôle de son rôle, son disciplinaire lié. OK? Un père, son disciplinaire lié. Un père, son visionnaire lié. Parce que c'est l'aliba, c'est le rôle parent, on père. Ils sont rôle de leadership, ils sont rôle disciplinaire, ils sont visionnaires. Et, bagay sa yo, il est important pour yo inculper la caille en jeune timon qui a grandi, surtout dans le pays, États-Unis, ou du moins le Canada, la France et même en Haïti. Donc, dans le cas que un père est absent dans une famille, c'est facile pour que ses atouts sont déficitaires chez un enfant ou bien une enfant. Et on nous prend que le rôle d'un père la chip un garçon. Nous connaissons que tous les garçons, ils ne peuvent pas jamais père, ils parfois. Tous les garçons, c'est papa et le père. Et le rôle model de un petit garçon, c'est tout papa. C'est tout papa. Peut-être que les que Timon a commencé à l'âge de 10 ans, si que lui papa pas un vrai role model, il a change. Mais de 1 à 10 ans, si mon enfant connaît en ce monde son père, si papa a son drug dealer, papa a une grosse chaîne dans le colis, papa a une grosse machine, monsieur, si mon enfant pense que papa is all that. That's all he knows. Unless somebody tells him that, you know, that's not the proper way, that's not a true role model. That's a phantom role model. I'm not talking bad about drug dealers, that's what I'm saying. But drug dealers are not people that are that are accepted in a society. So, gens qui ont papa chip, petit garçon. C'est pas m'assurer que Timon tendait. Que Timon gagne en discipline. Et lui inculper en vision la like Timon. Et Timon, demain, you have to be somebody. C'est papa qui l'a. Et c'est papa qui est leader. Pour dire comme ça que on veut camper là pour faire. Et son caractère est bien. Tout garçon qui l'élevait, il toujours va parler yo, les papa yo. Papa yo, papa yo, papa yo. Donc le père est quasiment essentiel dans la famille. Si les papas sont pas là, sens de leadership là, sens de vision, sens de discipline, il est absent. L'enfant devient déséquilibré. Le Timon Kounia là, l'élève dans la classe, il n'est pas tendé. Timon Kounia là, son Timon qui têtu, il vient un petit brigand, il vient un petit monde qui irrité. Un petit monde vini, ce qu'on appelle, hyperactivity kids. Petit monde en tout, il n'a pas une vision. Parce qu'il ne parle pas là. Il ne parle pas le dire comme ça que. This is the way things are done. Si papa n'est pas là, il n'est pas contre qui pour jouer au football. Il n'est pas contre jouer au basketball. Il perd 10 barres ça yo.
Son ti moun nan ki papa ki pala nan fami an, papa cause much problem for the kids. On father qui est absent dans la famille, lui causer trop psychologique à Timon. Timon n'a pas fort endormi. Il n'a pas dormi. Timon est venu hyperactive. Timon n'a qu'on a crié tout le temps. Timon a senti que il y a Timon qui dépresse. Il y a Timon qui pas qui senti que they're never happy. Et puis l'école, yo vraiment pas bay rendement que je suppose bay là. Ça qui passé, et ça qui passé en petit monde. Et même dans adolescence d'une personne, l'absence d'un père peut causer des problèmes. Parce que si vous arrivez à papa, qui vous bon, les caractères, les caractéristiques d'un homme, si vous arrivez à femme tout le temps, vous avez une manière de femme, vous avez un caractère fort, vous avez un caractère pour habiller, parce que papa n'est pas là pour montrer qui vous habiller. Et même arrivé dans l'époque adulte, many older men always toujours à chercher papa yo. Parce que l'absence d'un père, la carence du c'est toujours un trou égolier. C'est toujours un trou égolier. C'est toujours un trou égo que Timon a senti que un bagage qui missing. Donc le sens de leadership, le sens de vision, le sens de discipline, c'est ça que on perd inculper la caille en timon. Et moins d'une les troubles psychologiques que on timon gagne, timon qui a une déprimé. OK. Si mon nan vini très solitaire. Si mon nan vini incapable de fonctionner normalement à l'école. Si mon nan pas bay rendement à l'école. Si mon nan l'a raté classe li, l'a raté note li et même parfois si mon nan pas à l'école. Si mon nan fait ce qu'on appelle l'école brissonnière. Parce que maman pas gagné la même voix, la même autorité que papa. Bah que maman pas fait long, mais la présence d'un père est toujours important. So, lorsque deux parents se divorcent ou bien en train de divorcer, nous kawe que timounio parfois perturbé dans le développement yo. À l'époque du divorce, ou bien après le divorce, le plus souvent, le développement de l'enfant, le développement de l'individu est toujours perturbé. Si mon n'a pas vu même mon encore, on laisse que ce père, c'est un père qui est conscient, qui assure que en dépit de son absence à la maison, il est toujours qu'il est en relation étroite avec ses enfants. Mais le plus souvent, l'homme haïtien, lorsque l'homme haïtien se divorce avec une femme, il est automatiquement divorcé avec femme nanto. Comme si Timon a gagné un lien pour avec femme nan. Si vous lâchez pas marcher avec femme nan, et c'était. Vous savez bien, c'était une relation qui était conçue très bien entre deux mondes,
deux mondes qui étaient d'accord pour y ensemble, deux mondes qui étaient d'accord pour y faire un petit monde. Très bien, on est d'accord pour faire un petit monde. Donc, définitivement, faut prendre stabilité. Même si on est dans le monde, faut le voir. Faut le voir. Ok? C'est pas à boire ou boire. Vous êtes d'accord pour faire Timon là. Si vous pas qu'à laguer Timon là-bas, fondement seulement. Now. Là, c'est là que nous avons que. C'est là que nous avons que l'absence d'un père. L'absence de de mère maintenant, aussi fatale. Parce que nous disons tout à l'heure là, bah, qui est plus important là quand on forme, c'est l'affection. Ok? Parce que le synonyme d'une femme, c'est la tendresse. Synonyme d'une femme, c'est l'affection. Son petit monde qui est levé sans maman, son petit monde qui est levé comme un sauvage. Si monde n'a pas connu ça, qu'il est amour. Parce que le vrai amour, il sortit dans 20 mamans au monde. M'a dit papa, 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 mon nom. Il y a papa qui affectue en pile. Il y a papa qui bat en pile l'amour. Mais en général, l'amour se fait sortir à partir d'une mère. Un enfant sans une mère, c'est un enfant appauvri. C'est un enfant inconnu. Il y a des enfants qui fait, il va jouer mon maman. Donc, ah ouais, qu'un petit monde, ça un petit monde, ça il va normal. Pas jamais normal. Il est toujours brut. Toujours rough. Parce que pas jamais connaît l'amour, ça. Lorsque une maman prend, les mettons en bas ventre, la caresse, lui dit mon fils, ma fille, c'est le plus grand plaisir gagné au monde. Parce que l'amour d'une mère, c'est l'amour qui est conditionnel. Tandis que les autres amours, il n'y a aucune condition là-dedans. Si, si, tandis que l'amour d'une mère, pas un codec là, non? Pas un codec. L'amour d'une mère, l'amour d'une mère, c'est son amour que vraiment, qui est incompréhensible. Tu vois, on petit mettre volet, maman, papa, j'aime balayer. Jamais. Randall, how you doing, brother? Thank you for branching on. Tonight, we're talking about the, psychological troubles of children in the midst of parents who are divorcing or divorce. So I went through the whole lot of condition. Randall is not Haitian, so Randall doesn't understand Creole, so I have to translate for him. So I was going through a whole lot of condition whereby that propel divorce between two couples. One, I talk about infidelity from a man. I talk about lack of financial security in a man, jealousy, verbal abuse, physical abuse, lack of caring, lack of love, lack of appreciation. And being unfaithful to your to your spouse can really precursor causes for somebody for to have a divorce. On the other hand, for a woman, by definition, a woman is very affectionate. Most women are very tender, very loving, very caring. So, if a woman does not give her man
the love, the affection, the tenderness, that may cause divorce. And by the same token, a woman can really do whatever he wants to do for the man, but if the woman does not procure that affection to that man, and you're gonna lose your husband. But there are women, as I said, Randall, who really do not really care to take care of the man. They don't cook, they don't wash, they don't do anything. So these are predicaments for divorce. And now and I embrace those two, but I said but in general there are three major causes for divorce. One is a financial problems. And whenever there's financial problems, if there's not strong love, eventually the relationship will be really affected. The second one, I said that is a one cause for major cause for divorce is infidelity. And the infidelity will definitely will be a major cause for divorce. But lo and behold, as I was saying, Randall, is that eventually kids out of this realm of problem between two parents, those problems usually have psychological remnants. Kids may be depressed. Kids may not be able to function in school. Kids may not be able to adapt well in school. And because for a man, the presence of a man signifies discipline, vision, and leadership. These are three elements that a man procure in a home: leadership, vision, and discipline. So with the lack of a man in a home, those ingredients are missing. So any child who misses those ingredients, you're gonna have a major problem down the line when that child becomes an adolescent than a man. On the other hand, for a woman, if a child is born without the love of a mother, the child is non-existent, because there's nothing precious, there's nothing better than the love of a mother to a child. That's where I give you a synopsis of what I've spoken so far in Creole. All right, Mendo, it was a pleasure for you to come in. So, David, on point ça, me dire que on petit monde qui levait sans maman, son petit monde qui pas exister. So, et ces troubles psychologiques ça que tu on ça ca gagne. Il ca gagne for long time que tu monde levé sans maman. Et puis ti moun nan pa konnen les amour. On prend et puis ou ka wè que son ti moun ki toujours nerveux, son ti moun ki brutal, son ti moun ki pa gen tolérance. OK? C'est parce que c'est à partir de lack of love from the mother. But nevertheless, from dinou sa tout, gen pile maman ki levé petite sans papa. OK? Yo levé sans papa. Ça et ils sont sortis très bien. Ils sont sortis avec un peu de vision, ils sont sortis à peu de leadership et puis un peu de petit monde ça ils excel. Il y a une femme qui est strong. Our black women are very strong minded. Our black women we have the black our black women are very when they want to achieve something, they put their foot down and achieve it. So although the presence of a man
is necessary in a home, but there are women who play both roles at the same time, and their kids come out perfect. Okay, so but nevertheless, it doesn't mean that the fact that a woman does it by herself, a man is not needed. Okay, so that's not true. Okay, but there are many kids born out of a house with just a woman, and they are strong. They are as strong as a kid who was born in a family with a father and a mother. Okay, so it depends on how solid the woman is. Ça dépend du caractère de femme ça. Il y a femme qui solide, il y a femme qui campé, même si avec un mal garçon, les appeler font petit garçon. Ok, et que maman petit moins les parler petit garçon vont trembler. OK, et parfois tout gen papa qui dans car avec maman gen nos familles c'est maman contrôlé papa parfois contrôlant papa yo comme pas fait devoir papa you let things go through easily, parce que c'est maman qui vraiment qui assure la discipline de tout bagaille. OK, so donc sometimes you have to wait things out. And then. Now, so lo and behold, et pour terminer, les que ou dans relation, il y a plein de monde qui est dans relation qui dit comme ça que il aurait été dans relation peut-être petit, peut-être six mois. Ok. Est-ce que son bon bagay, bah on est. Est-ce que son mauvais bagay, bah on est. Parce que rester dans la relation pour petit monde parfois il qu'on vient pire, parce que l'on petit monde levé là pour garder maman cap dit bêtises à papa chaque jour, papa cap dit bêtises à maman chaque jour, maman papa cap calé maman, il pas belle, il vient aussi pire que ça. So, parfois il est nécessaire que pour deux monde ça quitter. OK, mais cependant les que ou gagne une relation et puis tu as des enfants, je dis que faut faire une analyse sérieuse avant de décider pour quitter. Parce que le problème n'est plus devant, c'est pour parents. Merci. Thank you very much for the compliment. Thank you. Donc, faut que parents vraiment prend le soin pour yo garder que est-ce que yo ka work things out, est-ce que yo ka essayer ben mend the differences avant que ou parler de divorce, parce que vraiment les que ou gen ti moun, la joie d'un parent c'est le succès de leurs enfants. Parce que si son parent ou successful et les petits parents rien, you have achieved anything, you have not achieved anything. If you're successful, you have achieved wonders, you are a true professional and you are well known, you have lots of money, you have all the beautiful cars in the world, and if your child has not achieved his maximum, then whatever you possess doesn't mean anything. But sometimes it's not the fault of the parents. Sometimes it's just the kids. All right, so we have to really to, sometimes in life you have to make sacrifices. Sometimes you have to see the child before you see yourself. Sometimes you have to look at tomorrow and say to yourself, I want my kids to be better, so I'll make the sacrifice. So everybody's different.
Everybody has different priorities, but once you have kids, your priority should be your children. It can't be any other ways. So many kids suffer. Many kids become very unproductive because of problem between two individuals. So I hope that m'espérer que le message a passé. M'espérer que nous comprenons ce que veut dire. Dans relation pas jamais non pas jamais parfait. Relation toujours gagner des hauts et des bas. Donc parfois faut swallow certain things and you live with it pour assurer le bonheur de Timonio. Donc ma brite est là. Je suis arrivé là, n'est point né. So, si y a des gens qui posent des questions, si y a des gens qui veulent émettre leurs opinions, feel free. Donc, c'était un plaisir pour moi à ce moment-là, vous me l'avez non. Donc, si nous gagnons commentaires à faire, allez-y, je vous écoute. Et puis, si nous avons répondu, ma réponse non, si nous n'avons pas répondu. Ma voix non à quand on monde qui connaît plus passé. OK? Donc, je vous attends tout le monde si nous avons une question pour nous qui connaissons la poser question. Donc, c'était tout un plaisir pour moi, m'avez nous là, soyez là. Donc, son sujet qui quand même dur. Il n'est pas facile parfois. C'est parfois assez fort pour endurer le problème pour qu'on comprenne. Mais nous connaissons que priorité, non, c'est toujours les enfants. Donc, je m'arrête ici. Donc, ma petite question là, et puis me garder. Et si disons ça que, sometimes the children are separated between both the mother and father in a divorce. Exactly. Sometimes, Elsie. The mother can brainwash the kids and tell them the father is bad, and then the kids grew some kind of animosity toward the father, and then hear the separation between children and father. Now, I believe that no matter what problems you have endure with your husband, this should never be discussed with your kids. Never, 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 never. And I think that whatever problem you have with your ex-husband, you should never reveal them to the kids. You keep the kids separate. You let the kids love continue the relationship with their parents, with the father. Et femme haïtienne, ça pour un pile. Et garçon haïtienne, ça pour un pile tout. OK? Les que ou quitter un mari ou pas lever tête mari contre petit, pas lever tête timonio contre mari ou gain pour le mari qui met ça pour contre mari ou pas. Mettez ti moun yo nan bagay kon sa. Mais fom haïtienne, en pile lan yo fait ça. Yo gen pou le manèg la. Ah, yo di papa non, c'est pas bon, papa non, c'est là, papa non, c'est bagay, papa non, c'était tes bagay, papa non, c'était tes bagay. Et kon sa, ti moun nan, really grew some kind of animosity, et ti moun nan, vin ray papa. Ok? Let me see. Elsie dit que the women are worse. Marjorie dit comme ça que keep them out of business. I agree, Marjorie. Marjorie dit que some parents can be very selfish in a divorce and they don't see the children welfare. That's true. En pile fois, l'on a gagné problème question des séparations bien. Aïe, 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 bien ça. Si Marie a son lèvre qui t'a bien fait bagaille, aïe, aïe, aïe. Ah, et femme dans son loup-garoulier. Femme n'a pas ouais à faire des timons même
En ce qui sont des corps, je veux dire que y a-t-il des timonions? Y a définitivement des timonions. C'est vrai. Moi, je veux dire qu'on a que sometimes the children become the parents. Yes, that's true. Yes. Parfois, c'est timonions tout qui ont mettait en haut là dans l'animosité qui gagnait entre deux parents. OK? Mais comme on dit que majorité en pile fois parfois mon yo pas garder ti mon yo vraiment mon yo garder que ça pas sorti dans divorce là. OK, belle caille, belle machine, canet banque, son question how much am I gonna get. OK, ouais, right? Donc question que how much am I gonna get. OK. Et seconde forme qui est vraiment qui son forme qui ont l'argent. Ah papi, question de pour sortir à Cobla là ou à plus ou à marcher à poder ou à marcher à poder. Et c'est dire que sometimes the women wants to keep them for the money and use the money for other things and to take care of the man. That's true. That's true. That's true, Yassine. Parce que, heureusement que, la femme n'a pas dit, la femme n'a dit, c'est un nègre. Il y a un nègre là qui est là, sous côté là. Il nègre ça parfois, il est un petit vicieux. Qui connaît que, qui connaît un nègre, mari nègre ça, il est un nègre. Et puis, la prend comme, pour le bail dans mes mariés et puis dans ex-husband pour le bail l'autre garçon et l'autre garçon tout parfois monsieur Sao il fait il make sure que il fait travailler bien il fait un petit sous-sous il fait tout ça femme a besoin il fait fia dit flush de bathroom des flush de bathroom fia dit laver sous-sième laver sous-sième je veux dire laver toilette. So, définitivement, it's a problem. Yeah, Marjorie, a divorce can be vicious, can be extremely vicious. Exactly. Especially, lorsqu'il y a deux mondes qui giving really, really, really hit the guts of one another. Let me see. The man dictates, let me see, I can see, dictate the, to get the money. And let me see. Est-ce que the man dictates to get the money and mostly for sex. Oh, that's true. Dominique, mon père a dit que dans certains cas, les enfants deviennent plus heureux et moins perturbés lorsque les parents se séparent. Oui, je suis entièrement d'accord, Dominique. J'ai dit ça auparavant parce que bien parfois, si la relation devient dégueulasse, d'où il y a des sottises qui sortent par-ci par-là, et chaque jour il y a une querelle entre le mari et la femme, définitivement, c'est bien vu pour les enfants. Définitivement que parfois nos relations qui perturbées, nos relations qui vraiment qui en décadence, mais toujours mieux pour que vous retirez ces millions de ça. Définitivement. Définitivement, je suis entièrement d'accord. Et j'ai dit ça auparavant, et me remercie que vous appuyez dans ce sens-là. Moi, je veux dire que Gold Digger. Yes, il y a un mec qui est Gold Digger. Il y a women qui connaît que c'est pour yo péter tête là et puis ma fille gars sous poudre et divorce pas j'aime bon vraiment divorce pas j'aime bon pour garçon ça c'est pas bon hein? Divorce pas j'aime bon pour garçon tout garçon qui divorcé nèg sous poudre tout garçon qui divorcé yo toujours sous poudre yo. Divorce toujours bon pour femme. C'est femme
qui toujours bénéficier de divorce. Garçon, pour ne pas tomber vraiment, aïe aïe aïe, faut son garçon qui fort tout bon. Parce que tribunal ici, c'est pour femme ni. Tribunal ici, pas pour garçon. Ok? Non seulement, il y a fort gain child support, et puis il y a fort payer alimony. Son garçon a travaillé toute ville pour lui take care en femme. Ok? J'ai un ami, monsieur divorcé avec madame. Madame mission étrangère. Yo ordonné monsieur pour yo bay fia un certain de kob juste tant que femme nan mouri tout depuis que femme pas remarié. Ce qui veut dire que monsieur travaille là tête chargée juste tant femme ça il pas besoin marier monsieur. Il pas besoin marier. Femme ménager. Il pas besoin marier. Et femme connaît que la bien les moni là, il faut avoir un travail. Et quoi bien femme ça, il va pas de travail. Il va pas de travail encore même. So divorce pas jamais bon pour garçon. Jamais. Garçon toujours victime. Toujours victime. Tiens. Moi je vais basiner que pour femme active monde. Moi je vais explique-toi, je comprends pas. Ouais. Oui mais oui, yo kabay. Yo ka bay limoni pour madame non et puis tu as support pour femme non. Nelson dit on a que maman mager pour ma banque ça non I don't understand it. I see. And she's like, the man eventually will leave the woman after using and abuse her. Women better open their eyes and use their brain. Okay, that's correct. That's correct. Majorie ou dire que tribunal. Oh yeah. Tribunal là, yeah. Majorie. Tribunal là toujours vraiment en pouffant à Timon. C'est sûr. Pour j'ai mon garçon là qui divorcé, qui sortit bien. Okay. Yeah, c'est ça. Tribunal ici, c'est pour faire ma timon. C'est fini. Pas un mentir dans ça. Garçon, papa, n'ap travail, c'est pour femme. Ok? Pas rien à faire là. N'ap travail, c'est pour femme. Ou met gon gros kay là. Ou gen 3 machines. Ou gen bateau. Ou gen yacht. Ou gen tout bagay, papi. L'or divorce, femme n'a pas tout nan mèon. Pour le temps pour la reprendre tête ou le temps pour la reprendre tête ou. Pour gagner ça, on fait un monde. OK? Parce que depuis on est arrivé, on a gagné yacht. On a gagné on sait de bagaille sérieux dans la vie, c'est que on a l'argent qui a avancé. Vous comprenez? Mais le temps pour reprendre tête la bêtise, moi. On grand pile corps. Moi je dis pas dire que the children are the future of the earth. It is a shame that when there's a divorce, the children have to suffer and carry the scarce their whole life. Yes, Marjorie, but that's the way it is. That's the way it is, Marjorie. That's the way it is. It's sad, but that's why in that show, me dit là que avant mon divorce, make sure que les think twice parce que cicatrice du divorce là, le plus souvent que Timon yo porte les juste dans les yo grand monde. Ok? Cicatrice divorce. On cicatrice. Et surtout, on divorce qui était vraiment vicieux, féroce. On divorce brutal. Cicatrice ça, Timon a gagné juste en grand monde. So, qui veut dire que c'est bagarre pour nous réfléchir en pile à yo avant que nous décider pour nous craser en relation. Si que relation qu'a fixé. C'est qu'à fixer. Ouais. OK. Les questions sont très bonnes ce soir. Très bonnes. Et je crois que
Moi, c'est plus femme qui pose des questions et garçon pas pose des questions. Majority agree education is the key. That's correct. I agree. Education is the key. I think et puis communication is the key also entre deux personnes. Maggie Durand dit qu'on a un garçon, l'a divorcé avec madame yo. Yo divorcé avec Timoun yo tout. Oui, d'accord, oui, Maggie. Maggie Durand, moi dis ça tout à l'heure là. Surtout garçon haïtien. Les garçons haïtiens qui fait ça. Non. Ouais, blanc fait comme ça. Blanc pas fait comme ça. Blanc lui-même, il va visiting rights. Il y a Kylie, il chercher petite lit. Même l'amour, ok? C'est haïtien qui fait ça. Haïtien, garçon haïtien qui. Son garçon haïtien qui fait ça. Garçon haïtien. I'm sorry guys, that's true. Ouais, étranger pas faire comme ça. Ouais, blanc dit ça madame ni. Le tribunal là by visiting rights. Il fait petit chaque week-end. Là, il fait tout bagarre petit lui. Si on petit garçon là lance ski avec elle, là lance basketball avec elle, là lance game avec elle, il a temps pour petit lui. Ouais. Ça c'est blanc. Ça by blanc brison. Mais garçon haïtien en pile là nous. Nous divorcer la femme, non? Nous divorcer la petite lampe. Yeah. C'est force, c'est mieux forcer, non? Pour nous mettre Timon, non? Comme si là, et si femme n'a pas avec nous, nous pas avec Timon. Yeah. Ça, monsieur, faut nous changer mentalité, ça. Nous pas avec, nous, si nous pas avec femme, si nous pas avec femme, non, nous pas avec Timon. Yeah. Ça, c'est un bagage, son caractéristique, en pile la caïtienne. Et monsieur, m'a pas parlé normal, non? Et ça lié. Et ça lié. En pile en nom, la guetimonio, nan mes femmes. Hein? Ok. Et c'est dire que, so true, et chez men, on va de go to the nightclub. Ah. Majorie d'accord avec moi. Island d'accord avec moi. Matthew d'accord avec moi tout. Nelji, Nelson dit qu'on a que, parfois, mesdames haïtiennes, yo kon bay neg yo, depuis tout. Oh, yeah, oh, yeah, yo sa, yeah. Yo kon bay, yo, yeah. Parfois, madame haïtiennes, yo kon bay neg depuis tout. Oui, m'bale de sa, tout à l'heure, là, énergie. Femme qui gen pied léger, yo. Femme qui Chanel, yo. Femme qui va gagner son collection pigeon, y a fait, que apprend. On prend, y'a pas un seul garçon. On prend, normalement, pas un nez capri d'enfant comme ça, mon cher. Non! Pas un nez capri d'enfant comme ça. So, effectivement, gain funky, ben, gain des goûts. Yes. Moi, je vous dis que, it is a divorce, there must be, in a divorce, there must be a balance between the parents. Definitely, moi, je vous dis, faut qu'on balance entre parents. Henri de Renoncourt, le grand Henri de Renoncourt. What's up, my brother? Welcome to the program. You came a little bit late, but anyway, I'm glad you're on. On a parlé de et troubles psychologiques, la kaiti moun qui gen parents yo cap divorcé ou du moins qui fin divorcé. So, on dal moun ki baye met ki baye opinion là. Aswe la ki tre bien et sa vreman vreman bay Shoah en bel ampleur et nou mwen ke moun yo ta suive avec mwen and that was very good donc mwen mèche tout moun yo la parce que et question la est important so quand on nous dit à lui là en pile garçon haïtien. Depuis yo divorcé à femme nan, yo divorcé à petite là. Tandis que là nous garder que la majeure partie des blancs les yo divorcé à madame yo pas divorcé à petite yo. Non. Yo assuré yo. M'pas dit tout non, mais en pile yo assuré yo que yo kembe relation l'amour paternel toujours là. Mathieu dit que most of the time the kids thinks
is their fault. Yeah, that's true. That's true. That's all about encore. La culpabilité d'un divorce, il toujours pense, Timio toujours pensé, yo responsable. Et si vraiment divorcé avec madame mon Mario, le plus souvent que l'ignore, si t'as fait Timonio, ou pas la Timonio, ou faire comprendre que mamie a d'aller pas aimer l'autre, encore, mais mamie remet, toujours remet non, et d'aller toujours remet non. C'est ça pour lier. Non, 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 dans deux mondes qui gagnent bon matière grise. Ok? Dans deux mondes qui gagnent matière grise, deux mondes qui vraiment qui gagnent le bon sens, sous qu'un petit monde qui a pleuvé, au lieu de perturber le développement de ses enfants, ou supposé, chita à Timonio, ou dit Timonio que, mamie a d'aller à divorcer, mamie a d'aller pas aimer l'autre encore, cependant, mamie will always love you, and daddy will always love you, daddy will always be there for you. Ou après Timonio, l'a grandi normalement, tout autant que ce père fasse son devoir et de visiter son enfant régulièrement et de participer en toute activité que l'enfant l'a entreprendre. OK? Si papa l'a dans school, dans parent teacher meeting, petit parent, papa là, les team n'a pas communié. Parents là, les team n'a pas joué football. Parents là, les team n'a pas joué basketball. Parents là, parents chargé team dans l'école. Parents là, il a tout bagali, team n'a pas développé normalement comme Zéguin était. Comme Zéguin était. Parce que papa là. Ok? C'est les papas absents. Divorce met des pieds. Mais papa et Wall, papa, il va pas des papa ni descendre, ni descendre, ni monter, descendre. Il laisse à que Timon, non. Si Timon, t'es gagné en relation, et toi, papa, et puis papa a disparaître, Timon, ça vraiment l'a perturbé sérieusement. Mardi, the women that I have custody, most of the time, talks badly about the dad. So, yeah, Mardi, that's something that I just discussed here. I have discussed that many women do that. They do that very much. They really brainwash those kids and make these kids really, 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 really angry. Marcel Diago, divorce is a bad place for any child to find himself. But divorce has nothing to do. Let me see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. I missed it. Okay, I missed it. I'm sorry. I'm sorry. Maggie dit que, dit mesdames, yo suspend fait entrer sortir avec différents garçons sous Timonio, respecter présent Timonio. Ah, Maggie, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai. Gen pile mesdames là, papa, qui passe garçons même gens avec et avec quoi ça. Dit que, not all men. 20 years of marriage, 3 kids. I do not want to leave my kids 24/7 with my family. Sometimes you have to swallow stuff. You know, things always happen. That Denzel, that's true. I agree. I agree. Toi, dire que la plupart de garçons haïtiens depuis yo quitté avec Timonio tout. Yes, nous dit ça plusieurs fois. Toi, là, nous répétons plusieurs fois. Let me see. Mardi dit que shouldn't bring the children into gonna problems. Yes, we discussed this a while ago. We said that that's correct. Elle dit que Maggie is correct. Shame, shame on these women. Yes. Compromise is the key. Marjorie, that's I agree. Now, go back. Maggie dit là. Maggie dit, c'est important. Là que ou quitter un Mario. Ou ap leve ti fom, ti fi. Ou pa suppose a passe garçon de matin, midi, soir. Parce que gen ki de yo a ki malade. Gen ki malade de yo a. Nèg la li avon nan kay la. La li wè ti piti to a la. La pe se man en tou. So lop si ta pa
pas ces garçons, on tombe en nom vagabond, un vagabond qui pas connaît, qui va connaître ni à terre ni en ni en ni en bas. OK? So, les cours sont femmes qui divorcent, faut sans en vent pour un garçon pour mener son petit tout. Surtout sur un petit monde qui en bas âge. Surtout que sur un petit monde 17 ans, 10 ans. Petit monde ça laisse ça vulnérable. OK? Yo vulnérable ça. OK? So ça sont pas qui important. Oui, moi je dis bois, il y a un pire garçon et pédophile et nèg yo yo remet petit monde. So figure-toi une femme qui gon garçon, li gon ménage journée là, li même ménage dans cas là, là le travail. L'équipe de la antifi, la main antifi, hein? Et gen tout qui malade tout, ou qui l'anti garçon, la main anti garçon. Hein? So, va que, qui est important, mesdames, pas passer garçon sous garçon, petit non, parce que c'est pas bon. Et si on a pour elle, qui est si on a adapté avec un seul gars, un seul monde, qui est si on a, parce que gen nèg qui entre en forme, li prend petite femme non comme petite et tout. Li remet petite là même j'ai avec petite li. OK? C'est type de nèg comme ça pour nous chercher. Ouais. Moi je dis à que tu es innocent. Ouais, moi je veux dire que you molester you tout. Yeah, that's true. Moi je dis que shouldn't bring men home until they are serious and should not watch the interaction with the children. I agree. It's unhealthy for the lady. Yes, it's unhealthy for the lady to bring men over. Get from Alikili Kunyala. Surtout, j'aime les mieux. J'aime les backers. Yo gagne des timons là. Yo revient dans classe là. Class baby. Class is it baby. Ou bien, oui, venez à Monique. Bam, chérie. Oh man, yo venez à T-Vice là. Oh man. Et puis, yo bien dodo. Dodo avec mon là. Et puis, yo venez à la caillou. Et puis, yo va mon là. Et puis, vous tenez, next thing, vous tenez, nek gon pantalon dans la caillou là. Les gars, il y a deux pantalons dans le cas là, et puis les gars, tout est dormi. Et puis, c'est son dormeur, les gars, amen. Bien ça. Ouais. Moi, je dis que, that's why I swallow my pride. My pride. Marier pas facile. Marier pas jamais facile. Marier pas jamais facile. C'est ça. Ouais, mon yo avant. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que le bien-être de l'enfant est primordial. Je crois que c'est essentiel que un parent sensé doit assurer le développement normal de son enfant. Et ça en mérite beaucoup de sacrifices. OK? Beaucoup de sacrifices. Jean-Wallace Bossudian, que most of the time in a divorce, the man is the one that have to pay child support. So we have to work extra hours to keep with our expenses. Yep. Jean-Wallace, papi, nous n'en de l'eau. Divorce pas jambon bon pour garçon. Ok, papi? So, dis ça, papa. Divorce, c'est femme qui toujours gagne à Timon qui est criminel là-bas. So, tout ça n'a fait dans la vie, c'est pour femme. Let's see. Magui dit que, donc, yo volé, homosexuel, yo loup-garou. Oui, yo volé, homosexuel, yo loup-garou. Yes, y'a Magui, Magui. Ça c'est vrai. Garçon, maintenant, qu'à l'heure, on va connaître, yo volé, yo homosexuel et yo gao. Ça c'est vrai. Moi je dis pas dire que Jean, I know a lot of women who are paying alimony. Yes. Mais majorité, c'est pas toujours le cas. Le cas c'est toujours garçon. Garçon c'est toujours victime.
C'est rare ici, moi, que j'ai un enfant qui a payé l'alimony. Là, c'est un enfant qui a fait bon travail, qui a un bon job, et au moins qui a payé l'alimony. C'est aussi femme, non? C'est garçon, hein? C'est lui-même qui a custody of the children. Et puis, si femme, lui-même, il n'a pas vraiment care de ça. OK? It's very rare. Dis-nous que, that's the price to pay. Let's see. It's cheaper to keep her. Yep. It's always cheaper to keep the woman. Yep. It's always cheaper to keep your wife because it's always a major deficit that qu'on est engagé pour le faire pour le fond divorce. Parce que femme mal même, c'est les points. Ouais, j'attends un calé. Ouais, si femme dans jouer au gens pour le ponton d'aise là, pour le caler le biret toujours, la faire biret toujours. Ouais, j'entends, mais caler, là, pour le pas caler assez. Les femmes là, sont dit, vous le matez où? Ouais, j'entends, mais caler, là, pour le pas caler assez, la ponton d'aise là, il fait caler le biret là. Ouais? So, il y a une femme qui est very vindictive, very méchante. Et l'autre du coup, il y a un garçon marcher sous poudre, il y a une femme marcher sous poudre. Okay. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon? Parce que moi, j'étais avec Alia, est-ce que l'autre femme voulait faire marcher, la prête des ans, elle calait le biret. Elle calait le biret. Elle venait choquer. Regardez. Elle prenait une entrée dans la tête. Mais, il n'y a pas qu'une femme mauvaise, petit moi. L'autre femme mauvaise, petit moi, elle a chiré, papa. Elle a chiré, man. Bon, mais rado là ben on est et là ben l'autre nèg. Mais moi, je me dis que comment surmonter le traumatisme du divorce. OK. Je vais répondre en un petit moment pour me parler. When the women over supervise the ex, they always find fault on the father's interaction. Parenting skills I can't read this. I can't read this. Imagine like, I love you, Marjorie. She's very well. Okay. Neg dit que c'est ça qui fait geneg qui fait yo mal. Okay. Et c'est like, it looks good on you. Look at the good side of it. Well, non, est-ce que j'aime dire que ouais, j'entends mes calé là, les que on forme sorti pour les calé tout. Même mais j'entends mes calé à li bien calé ouais, j'en was là, forme là prend ton des ali calé le pirette toujours. Now, Dominique, madame Dominique Montpellas m'a demandé une question. Comment surmonter le traumatisme du divorce? Eh bien, la façon de surmonter, c'est que vraiment, faut que on fait une adaptation mentale. Faut réaliser que ou pas game mal ou avant encore, ou réadapter ou avec une autre vie. Il faut essayer de se séparer mentalement et physiquement avec cette personne. Et puis créer ou indépendance la caillou de mounan. OK? Ouais. Et c'est quelque chose qu'on doit faire petit à petit. Par exemple, gain traumatisme du divorce qui fait mounan abus physique, OK? Abus verbal, ça sont leçons pour lier la en prochaine relation. Qu'on gagne avec un autre monde, ou supposé choisir un garçon qui respecte ou, qui pas mettre main sous ou. Et de ce fait, ce nouveau homme, il peut apprendre un autre style de vie. Laisse à que, ça, ou tu vas oublier cette personne. Je crois que c'est la meilleure façon de surmonter le traumatisme du divorce, par faire un choix mieux que votre ex. OK, tout ça que ex ou te kon faire ou choisir un nèg
qui pas folie. Sous tes gon ex qui pas affectueux, ou essayer de choisir un homme affectueux. Sous tes gon qui était on goujat, on vulgaire, qui aime dit bêtises, ou choisir un nègre qui pas goujat. Tout ça, ou fait une nouvelle adaptation sociale, physique et mentale. C'est ainsi que je crois que je peux vous répondre, Madame Dominique Montpelas. Ainsi dire que Dr. Didby, I know people that turn gay after a divorce. Yes? M'donnez ça. M'donnez une femme qui tourne, qui remet femme bido. Vous comprenez? Il parle seulement gay, yo ka vin bisexual, on prend gay femme qui dit que gay des goûts de garçon, on prend but chacun a un choix pa yo, on prend c'est ça mon anglais, it's okay, même pas mal ça, on prend pas mal ça, Matt, you dit que easier said than done. Doc, do you know all men are there always nice in the beginning? Yes. You have to be very vigilant. Mark, very vigilant. Make sure that you study the person very carefully. Marjorie, you leave, you learn, and you make better choices. I agree. That's correct. Nell G dit que je vais parler là. Gélin, c'est dans shop au van. Ouais, je vais parler là. Gélin, c'est dans shop yo van neg. Bagay yo pas facile de yo anon. Ah, Nelji, m'tende bagay yo du de yo a. Garçon, pas un bon garçon de yo a. Mais m'tende. But there are still a good men out there. There are still a great men out there. Very great men out there. So, Nelji, you haven't found the right man, but there are great men out there. Still. And Haitian men, as a matter of fact. Haitian men. LC, exactly. LC, they are done with men. Yes, that's what I heard, LC. Moi, je dirais que learn from your mistakes. I agree. I agree with Marjorie. J'aimerais beaucoup dire que parce que parce que c'est Maralisa, non, Jean. Jean, mais en anglais, moi, sous capable, parce que Maralisa. Sheila dit que tout bon, you know, mais Mathieu, Docteur Benoît. Ah, ça me donne, ça me dit. It doesn't really mean social, okay? I think that you still can meet a man qui can give you the love attention. Et ça vous dit parfois, hein? Yeah. Ainsi dire que Dr. Benoit is a super great man, but he's taken and happily married. Elsie, thank you for the affirmation. Thank you for the affirmation. Yes, but there are many great men like me out there. Okay, there are a lot of great men out there. I think great men, they are very conscientious, very loving, very affectionate, and it's ne pas qu'à dire tout garçon ici pas bon mes amis. Okay, ne pas qu'à dire tout femme ici pas bon. Moi je veux dire que ne te laisse pas emporter. After a divorce, you need to be careful. That's correct. I agree. I agree. Bon, je crois que ce soir, chose ça c'est une qui est chaud, qui a plus d'interaction, moi possible bien, parce que son sujet qui vraiment que qui touche en pile femme. Vous voyez que plus on a réagi là, c'est femme mieux, ok? Garçon aurait été à l'écart, il va dire rien, parce que le divorce toujours. Et tout le monde va émotionnel qu'à femme. Ouais. Femme, pas, divorcer vraiment parfois. Un bon garçon haïtien, bah, il est pas facile à retrouver. Oui, Sheila, you just have to be patient. Be patient. You'll find a good man. Okay?
They are good men out there. They are not too many out there, but they are great men out there. Great men out there. Yeah. So, chose assez, you know, show qui m'a eu plus d'interaction que m'a eu so far. Parce que, en plus, mon joué un bail là-dedans. En plus, mon joué un bail qui touchait, yo. Un bail qui a parlé, yo. Donc, m'a obligé de camper là, à la maison, parce que m'a parlé là depuis 2 ans. So, c'est avec un grand plaisir, m'a dit avec un an, soyez là. M'a dit non, pour nous tous partager, chose ça. Parce que, ouais, chose ça, ça sont chaud de, sont chaud qui en pile leçon là-dedans. En pile leçon. Et peut-être que les cas sauvés, y'ont moun, qu'a regardé la soirée. So, m'a dit non, en tout là, les m'a fini la chose là, partager chose ça avec tout le monde. Parce que chose ça vraiment, les cas toucher la vie d'une personne. Ok? Donc, on est capable pour la divorcer là. Et puis, l'être des choses ça, il fait back. Tu vois? On forme tes cas, voulait divorcer là, l'être des choses ça, il fait back. So, je crois que, et c'est le but. C'est le but de choix. Hein? Parce que me dit nous déjà, mais même, m'bagin, kopumbay, non? Mais, je suis un millionnaire intellectuel. C'est ça m'kaba, non? Et ça que m'ka offrir, non? L'aime si, j'aimerais dire que, because that was in their blood, that's the reason why they become gay after divorce. Yeah? So, m'ba connais, non? C'est ça, et voilà, voilà dit. Est-ce que thanks? Let me see. I missed some comments. Sheila, thank you for the appreciation. Islan Gersin, merci. Donc, sur ce, je vais vous laisser, mesdames, messieurs, continuez à passer vos commentaires, continuez à commenter, nous quand même réagir entre nous-mêmes, toujours, et quitter chaud à marcher, merci me braler, nous quand même réagir entre nous, parler entre nous, converser entre nous, et passer opinion, nous, toujours. Et puis, pour nous quand même toujours apprendre, toujours. Marjorie Dubois, thank you very much for the compliments and I appreciate it. So comme dire que même si que m'pas là, make sure que nous toujours continuer connait choix et puis share la vidéo. OK? Sur ce, je vous laisse. Bonsoir et à la prochaine. Au revoir.